Avant sur log, jour 238 et 239, et bienvenue à Bacalar au Mexique. Oui, de retour au Mexique pour la dernière semaine, et littéralement la dernière semaine parce que je passe 7 jours ici en tout. Pas ici à Bacalar, mais en tout dans le Mexique. Là, ces deux derniers jours étaient à Bacalar, et c'est très relax. Je prends ça pas mal relax. Il y a un gros lac que je t'aime baigner dedans. C'était le fun. J'ai emmené Harold. Lui aussi, il a eu du fun. Les Mexicains qui regardent Harold le trouvent fun. C'est des classiques, il y a une forteresse ici, je t'ai voir ça. Mon but ici était de prendre ça relax pour éventuellement prendre ça moins relax à Tulum. C'est là que je m'en vais demain d'ailleurs. Puis ben, on peut se voir pour ça. Avant sur vlog, prends ton ami, on va avoir du fun. Aujourd'hui, hey Thierry Lumain et Harold le Flamand, le fun n'arrête jamais. Aventure Vlog! Wouh! Aventure Vlog, jour 240, bienvenue à Tulum, encore au Mexique. Mes cheveux commencent à être longs, puis ça paraît plus parce que je me suis rasé la barbe. Pas sûr que j'aime ça. Oh, la journée d'aujourd'hui, c'est juste moi qui arrive puis qui s'installe. L'auberge est grosse. Je pense que ça, c'est une chaîne d'auberges qui ne sont pas mes préférées. Bref, j'ai déjà plus beaucoup d'argent. Fait que je fais attention. Puis j'arrive, puis ils m'ont fait comme un surprise. Il y a une extra taxe juste pour cette auberge-là. Fait que on a un extra par-dessus la chambre pour que tu payes. C'est comme. Dans le fond, tu veux me faire charger plus, mais tu l'as pas mis sur le site. Comme ça, t'attires plus de monde. Qui est pas le fun, ça met de l'eau sur mon sandwich, ça. Commencer à préparer des affaires pour mon retour au Canada, ce qui semblait vraiment loin au début, puis finalement ça se rapproche. Puis, ben, on va se voir demain. Ciao! Avant sur vlog, jour 241, bienvenue sur le bord de la mer. Je voulais me baigner à la mer pour la dernière fois, mais pas la meilleure plage, ça, puis le reste de la plage est couvert d'algues. Peut-être pas le spot pour se baigner à la mer. Ce matin, j'ai été voir les ruines de Tulum. C'était cool. Il y a pas mal de monde qui font des tours pour se rendre, mais moi, je me suis rendu par moi-même. J'ai loué une bicyclette, puis là, je m'en vais rejoindre ma bicyclette. Puis je me suis vraiment conçu de faire ça par demain, parce que c'est une bonne façon de se promener dans la ville. Tout est un peu loin. Ben j'aime ça m'organiser moi-même. J'aime ça puis ça va bien. Fait qu'on va se voir demain. Avant sur vlog, jour 242. Bienvenue. J'ai mon vélo qui est là devant des cenotes. Mais ben, pas devant, mais devant le parc à l'entrée des cenotes. Je suis en train d'attendre après mes amis qui sont en vélo. Ces trois Françaises sont lentes. Ils arrivent! Hey! C'est fantastique! Fait qu'ils sont là. On va aller dans les cenotes. Fait qu'on a même pas été dans les cenotes, dans le fond, parce que c'était trop cher. Ce qui m'énervait un peu, parce que on s'est quand même rendu jusque-là. C'est 13 km de vélo. Fait qu'on a fait comme aller-retour, ça fait 26, tu sais. 26 km de vélo pour rien pantoute, ce qui est très décevant. J'étais un peu frustré de mes collègues, mais par contre, j'ai réalisé que, hey, c'est une bonne façon de finir ça en forme parce que, ben, je veux dire, j'ai apprécié la ride de vélo. C'était pas les meilleurs paysages, mais c'était un bon exercice. Puis, être capable de faire ça une journée, casually, sans s'entraîner, c'est quelque chose que je pensais pas être capable de faire. En conclusion, j'ai pris ça pas mal relax parce que mes jambes me font mal. Puis, j'ai écouté beaucoup de chansons de Eurovision de cette année. Parce que Michaela m'a introduit à ça en Colombie. Puis là, ben, je les écoute toutes. La Finlande, c'est les meilleurs. On se voit demain. Avant sur vlog, jour 243. Bienvenue dans un magasin de vêtements. Je suis présentement à Cancun. Puis j'ai une mission. Puis je pense pas que je ressors ma mission. Parce que j'ai perdu des items. En tout cas, je pense que j'en ai oublié à Iguana Perdida. Puis là-dedans, il y a mon coton ouaté. Ce qui semble innocent, puis j'ai pas vraiment besoin d'un coton ouaté là, parce que je suis à Cancun, fait chaud, tu sais. Mon vol, c'est demain, puis il fait froid là-bas, là où je m'en vais. Fait que, j'ai besoin de quelque chose de même. Il y a rien.
Il n'y a rien en termes de coton ouaté. Il y a des t-shirts en masse, des chemises hawaïennes en masse que je respecte. J'aimerais ça avoir peut-être plus de chemises hawaïennes dans ma garde-robe, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment ça que je veux. Je viens de me rendre compte qu'il y a des Wilson que tu peux acheter direct. Fait que puis beaucoup d'épisodes de Dragon Ball Z derrière. En tout cas, sur ce. On va se voir la semaine prochaine quand il va faire froid. Je vais sûrement avoir réglé le problème d'ici là. Fait que, en tout cas, j'espère que je vais avoir réglé le problème d'ici là. On se voit pour ça. Okay. Now go. Hi, boy. Looks polite. Good.